est arrivé d'Afrique et je me disais, bon, mais voilà, c'est peut-être un samedi, c'est la seule occasion de pouvoir voir ma famille. Voilà, je me retrouve ici et voilà. Je voulais ce soir surtout remercier le Seigneur pour cet acte de foi qui s'est traduit par l'aménagement de ces bâtiments. Il y a quelques années, on avait fait visiter cet endroit, c'était un endroit, un bâtiment déshabité. Et vraiment, quand tu me disais, bon ben voilà, nous voulons déménager notre église pour cet endroit, je regardais, je disais à moi-même, tu n'arrêtes pas de rêver. Il faut être réaliste. Tu as vu l'état dans lequel ce bâtiment se trouve. Il me disait, c'est la dernière chose que je voudrais faire. Et aujourd'hui, ce soir, c'est la première fois pour moi d'être ici depuis que l'église a déménagé. Je voulais seulement rendre gloire au Seigneur. Puisque lorsque nous croyons, lui, il est juste. Et il fait toujours. Mais malheureusement, parfois, c'est notre foi. Comme c'était mon cas hier. On n'arrive pas à croire en ce qu'il peut faire. Et je trouve que la salle est à moitié pleine. Et quand il me parlait de ça, je disais, mais de quoi tu parles, Emmanuel? Est-ce qu'il y aura suffisamment de gens pour une si grande salle? Mais là, tout de suite, je me disais, le Seigneur a un plan pour la Belgique. Le Seigneur a un plan pour l'Europe. Nous devons y croire. Il faut absolument que nous puissions travailler pour agrandir des endroits où les gens peuvent venir louer, célébrer et prier. Donc, c'est ce que vous avez pu faire avec tous les comités et les membres de l'Église. Je vous remercie beaucoup pour cet acte de foi. Je crois que ça traduit à Périoué qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, je dis toujours que nous avons eu de l'Europe. Et malheureusement, à un moment, nous n'avons pas abandonné cette foi. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps de se ressaisir. Savoir comment Dieu a béni l'Europe et revenir là où le Seigneur a béni l'Europe, c'est-à-dire sous la croix. On peut prier. Éternel notre Dieu, notre Dieu. Je vous prie pour merci beaucoup, merci. On acclame très fort, alléluia. Merci Jésus. On finit dans la joie, louer l'Éternel. Merci mon docteur. Dira toujours que ceux qui craignent l'Éternel, lève ta main, disent car sa miséricorde dira toujours du sein de la détresse, je ne croque. Écoutez ça, quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort.
Y'a quoi dans la concoupe, c'est un peu comme ça, là, 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 là.